Je sais même pas lequel épisode c'est, gars, parce qu'il y a eu, un petit temps. Il y a un petit temps où on a fait notre petit voyage aux États-Unis déjà. C'est surtout qu'il faut qu'on aille à la Ligue. Pour aller à la Ligue. Parce qu'on a les trois. Alors, on a les trois missions à faire, tu sais, les trois dernières missions. La Ligue, elle est Ligue Pokémon. Je crois qu'on peut, pas encore se téléporter. Par contre, on doit pouvoir passer par l'Académie. Je pense que c'est par l'Académie qu'il faut passer, mec. Et je me demande s'il faut pas battre la Cassiopée d'abord. Ouais, on va voler jusqu'à la Ligue. Jusqu'à la. L'Académie. Ouais, on vole jusqu'à l'Académie. On va voir à partir de là, parce que je vois pas où est-ce que ça pourrait être d'autre. Donc, ouais. Ouais. Et bonsoir à ceux qui débarquent. Parce que la Ligue, ça doit être par là. Hein. Moi, ça me l'indique par là. Par la gauche. Et je pense pas qu'on puisse passer par, par les rochers. Bah, je suis sur les rochers. Bah attends, mais je sais pas ce que me fait le jeu là. Enfin, je pense que je suis allé dans un endroit où je voulais pas, ce qui fait que le jeu m'a fait un écran noir et charge. Ah si. Ah si. En fait, ah bah ah, attends, quoi? Je sais même pas par où je suis passé, gars. Bah en fait, je crois que je suis sur la route de la Ligue. Ouais, bah passe par les rochers. Bah tu vas à gauche, en fait tu sautes sur les rochers. Et tu montes, et tu vas voir, le jeu va te téléporter directement, je sais pas, alors ma vie c'est pas par là. Mais le jeu m'a téléporté directement. C'est chelou. Bah tu grimpes et le jeu... Ah toi aussi il va te téléporter, mais je t'attends, c'est chelou. Je sais pas si c'est comme... Alors je dois y avoir un endroit pour y accéder. Mais je pense pas que ça soit de cette façon là. Tu arrives à mon endroit. Regarde. Attends mec, ça se trouve on a passé toute la route victoire. Genre tu sais la fameuse route où on a plein de dresseurs etc. Ça se trouve c'est ça. Bah, attends, on va le battre lui pour voir. Attends, je pense pas que ça soit par là mec. Ça me paraît bizarre. Je pense qu'on a, dû louper tout un passage en faisant un bug. Ou pas, ça se trouve c'est ça, je sais pas. Ça paraît si étrange. Mais niveau 14, c'est possible. C'est possible. Qu'est-ce qu'il fout devant la Ligue avec niveau 14? Plus, il a qu'un seul Pokémon, mec. Ah, on t'entend pas? J'avais pas mis le micro de... Ah, zut. Ouais, c'est bon. Normalement, on t'entend. Là. Ah bah... C'est une blague, par contre, niveau 14. Bah attends, en avant. Il y en avait un seul? Ouais, il y a un autre dresseur. Quelqu'un pour défiler. Il y a un autre dresseur un peu plus loin. Ah bah, niveau 14, c'est un peu. C'est une farce. Où es-tu? Tu dis qu'elle est là en train de voler tout seul. Je suis dans le combat là. Je suis dans le combat. Je vais attaquer par. Par un tout doudou. Ah là il est au niveau 56, là c'est déjà un peu plus intéressant. Du coup attends, il y a un dresseur niveau 14. Il s'est perdu. Et on est d'accord que le mec juste après, on est sur un niveau 56. Genre y'a pas un problème? C'est réaliste, il a dû croire qu'il pouvait se battre contre la Ligue. Mais niveau 14? Bah ouais. Ah, il a du courage le pauvre. Non, j'aime beaucoup ce crocodile là. Ouais, il est très sympa. J'aimerais bien l'attraper lui. Tu l'as forcément attrapé puisque c'est l'évolution du petit. C'est l'évolution du petit que tu chopes dans le désert, normalement. Bah, je l'ai pas fait. Oui. Oh là là, Malvalam, je les ai pas ces deux-là. Toi, tu les as, toi, les deux là. Mais il faut acheter. Il faut acheter quelque chose. Ah, les boucliers? Ouais. Les armures? Ouais, ouais. Waouh, 2100 XP en battant son crocodile là. Ah, bon, je vais lui faire des piqueurs. Bonsoir à ceux qui débarquent. Ta-da, ta-da, ta-da. Oh, il va se soigner.
Ouais, ça, c'est pas grand chose. Contre lequel là? Ah bah toujours le même. Moi je suis contre Archeo, je sais pas quoi. Ah c'est ça, Archeo donc il l'envoie ici. J'ai hâte de voir la gueule de la ligue. En vrai. Bon, bah, ouais, il nous reste 3 trucs à faire. Il nous reste la ligue, il nous reste la championne des camps. Des stars, ouais. Cassiopée. Et évidemment, pour terminer, je sais pas pourquoi je fais un genre de camp. Et pour terminer, du coup, la zone 0, je suppose. Voilà. Oh, son Malvalam, il est one shot. Moi, je propose qu'on termine par la zone 0. Et qu'on fasse ligue. Et oh, j'ai rien d'efficace. Qu'on fasse ligue et après la nana Cassiopée. Et après on fait la zone 0. Toi tu m'as dit que tu partais à quelle heure? Moi à 19h faut que j'arrive. Donc on a une demi-heure pour essayer de se taper la ligue. Je suis pas sûr qu'on y arrive. Ah ouais? Bah je sais pas où on est, je sais pas si c'est la ligue tout de suite ou s'il y a une route victoire ou quoi que ce soit en fait. Bah moi j'ai l'impression que c'est tout de suite hein. Là ça je viens de soigner mes Pokémon là. Bah attends. Ça me paraît bizarre. Mais ça me paraît être aussi là dans le truc, hein. Pour moi, ça doit être là. Hein. Bah, pour moi aussi. Mais... Bah, en plus, je vois. Sur la carte, je vois Maisie. C'est ça, c'est Maisie qui a ça. Ah ouais. Attends, j'arrive. Ah oui, c'est vrai qu'on peut grimper maintenant. Ah putain, je me suis falpagué par un. Par les espèces de deux souris là. Vas-y, je file. Il est beau ton Azumarill là. Oh. Oh. Il est stylé hein. En jaune, il est incroyable mec. Je te jure. Il est vraiment magnifique. Niveau 96, il fait mal en plus. Allez. Tu seras bien contre le Dracaufeu. Hein. Ouais. Je suis assez content de mon équipe en vrai. Par contre, j'ai pas de Pokémon de type O. C'est un peu dommage. Bon bah viens, on y va hein. Allez, let's go hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Ça t'a lancé une cinématique directe? Ouais, enfin cinématique, ouais, c'est ça. Alors, voyons voir. Elle va nous dire c'est fermé ou je sais pas quoi. Ok, l'autre qui a décidé de mesurer à la ligue. Ok. Alors. Allons, tout se dépassera dans ce bâtiment, ok. D'accord. Ouais, donc c'est ça en fait. C'est vraiment direct. Ligue, hein. Mais s'il n'y a pas de route, il y a pas de route victoire. Bah je sais pas, on s'est TP. C'est bizarre. Ou alors on devait pas se TP comme ça. Ouais, peut-être. Hein. Je voulais tenter l'examen de maîtrise, bah vas-y. Peut-être qu'il fallait pas se TP d'un coup. Veuillez entrer s'il vous plaît. Il y a forcément un truc à l'intérieur. Il y a forcément un truc, genre une route. Bah il a dit l'examen de maîtrise. Ça doit être ça, genre il y a un examen avant, non? Je sais pas, ça me paraît bizarre. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. D'accord. J'aime bien la petite musique. C'est angoissant. Ok. Attends, je vais augmenter le volume. Moi j'aime bien la petite musique. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh. Ce délire là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on peut se faire recaler? Ben non, je pense pas en vrai. Par quel moyen es-tu venu ici? Moi je mets en Pokémon sûr. Hein. La reine m'a causé plus de soucis. Je sais pas, nappé, je sais rien. Oh, j'en sais rien, moi. Oh, tu sais quoi, je vais regarder sur internet, ça m'a saoulé. Pourquoi est-ce que vous êtes venu à la ligue Pokémon aujourd'hui? Attends. Je vais atteindre le rang de maître. Voilà. Ok. Vas-y. Hop là. Ah, oui, pas que ça fout. Pour quelle autre raison seriez-vous venu?
que vous comptez faire une fois je vais trouver mon trésor. Ah oui, vraiment, au fait, quelle arène vous a posé le plus de problèmes? Quelle arène m'a posé le plus de problèmes? Là par contre c'est un mémoire. Ah là par contre je suis perdu là. T'as mis quoi pour les arènes? Bah moi j'ai choisi l'arène, j'ai choisi une des arènes, le monde AP, je sais pas. Ouais vas-y. Ouais, qu'est-ce que c'est mon AP ça aussi. Oh mince, quel est le nom ou champion de cette arène? Ouais c'est pareil, Groucha là, Groucha. C'est Groucha? Ouais. Ok. Bravo, vous avez une bonne mémoire. Vous vous souvenez du type que les Pokémon de Groucha ont en commun? Ouais, glace. C'est de la tricherie là qu'on est en train de faire. Oui. Magnifique! Pour arriver jusqu'ici, vous avez sans doute vécu beaucoup d'aventures. Vous avez aussi rencontré plein Qu'est-ce de Pokémon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça me fout un stress, mec! La catégorie de votre premier Pokémon? Bah oui, feu. C'est bien ça. Moi, je trouve la musique, elle est excellente. C'est stressant. Ah, voilà, ça y est, c'était la première épreuve. Mais du coup, il n'y a pas la route victoire. Ça me frustre. Maintenant, la dernière question. Ça me frustre. Est-ce que vous aimez les Pokémon? Bah non, non. Non, non, c'est pour ça que j'ai acheté le jeu. Je veux juste les martyriser, écoute. Non, j'aime pas les Pokémon, non. C'est ça. Ah, c'est stylé, par contre. Ça y est, je peux souffler et reparler normalement. Ah, ok, d'accord, elle joue un rôle. L'oral est enfin bouclé. Pas trop tôt. Et vu tes résultats, on peut dire que t'as rassuré. Bah, tant mieux. Salut Néo. Alors, t'as réussi la première épreuve de l'examen. Premier coup en plus. Je crois que c'est pas arrivé depuis Mendy. Ah bah Mendy, on va faire un combat, mais elle est pas à la hauteur. T'en es à où là? Premier combat. Moi, on a fait que de parler là. Elle est relou. Ah, ça y est. Non, c'est stylé, j'aime beaucoup. Bonsoir, bonsoir. Oh. Elle est cool l'animation là, dans le bâtiment. Bah ouais, j'aime bien, mais je suis assez perplexe. Perplexe, par rapport à la victoire. Bah ouais, mais. Je me pose la question, est-ce qu'on a loupé quelque chose Peut-être qu'on a... Ouais, peut-être. Je sais même pas si j'ai fait mon équipe de Pokémon ou pas. Je sais même pas si j'ai bien préparé mon équipe. J'ai rien préparé du tout. Après, je pense que je vais l'éclater, mais bon. Je suis niveau 96 quand même. Hein. Je l'ai presque one shot là. Merci Waneda pour ton. Je suis vraiment genre. Je sais pas, ça me paraît bizarre. Ah, moi aussi, ça me paraît bizarre. J'ai l'impression de pas être à la ligue en fait. Non. Ouais, mais après faut pas oublier qu'on a level up nos Pokémon. Oui mais c'est pas le truc, c'est que on y arrive genre tellement vite, tellement bizarrement, genre
Ouais, y a pas eu de chemin emprunté quoi. Bah oui, y a pas eu de chemin, on est arrivé à l'académie, on est arrivé tout de suite à la ligue, possible. Est-ce que quelqu'un saurait me dire ce qu'on a loupé? Est-ce qu'il y avait toute une route de victoire? Est-ce que... Je sais pas, c'est bizarre. Non, c'est bizarre qu'on arrive pas à one-shot ces Pokémon, Superman. T'es en mode super efficace, je suis 96, ce genre de one-shot. Non, quelqu'un nous dit qu'on a rien loupé, tu vois. Ah, c'est assez chelou, ouais. Il a combien de Pokémon là? Beaucoup. Bah, c'est des Pokémon de type sol en plus, quand même. Je vais pas te mentir, il m'a fait un peu mal, son donjon là. Pocket Trio Tire, c'est fait. Bon. Allez hop, Trio Picker, j'ai one shot. Bah, pareil. Mais du coup, j'ai battu le premier et. Bah après oui nos Pokémon sont au niveau 80 et 90 et quelques mais quand même ça paraît tellement Oui, quelqu'un me dit c'est le seul opus où il n'y a pas de route de victoire et c'est frustrant. Bah oui, genre moi je suis là en mode mais pour me enfin. Salut Néo. Salut Anaïs. Alors attends, mais il en a combien là? Il doit en avoir 6 comme nous. Pour l'instant, je soigne pas mon Pokémon. C'est pas une bonne idée. Ok, il fait sa terrasse. Sur Terrestre? Ouais. Ah, moi aussi. Ah, je pas one shot, disons. Moi, si je one shot pas, je vais avoir des problèmes. Vu que. Je suis low HP là. Oh, il s'est protégé. Ah, il s'est protégé. Et Lidan, je t'ai reconnu, Lidan. Peut-être le soigner un petit coup en vrai. On va pas déconner. On va mettre. Je suis assez. Potion max. T'es assez déçu là? C'est pas que je suis déçu, c'est qu'en fait je suis assez circonspect, ouais, en mode. Mais. Enfin. Je trouve ça tellement étrange. Ah, bon, allez, on va le terminer. Bah, lui. Que... Bah Tibouchou! Oh non, mais il fait que se protéger! Bah. Mais c'est pareil, la ligue! C'est. Enfin. Non, après, c'est plus logique. C'est. Enfin. Je sais pas pourquoi, j'imaginais la ligue différemment. Genre, le jeu a tellement été stylé. Que avoir la ligue là et il se là-dedans comme ça, c'est frustrant. Enfin. Attends, j'arrive même pas à l'attaquer. C'est d'un fade. En fait, c'est ça, c'est fade. La ligue, je la sens fade. C'est même pas un problème de level ou quoi que ce soit, c'est que avoir ça comme ça, là, dans cette espèce de salle comme ça, c'est fade. Y'a que moi qui sens ça ou. Moi je trouve que c'est bizarre, ouais, normalement y'a la route. Genre là en fait on aurait dit qu'on a activé un bug du jeu, on a escaladé un mur et. Ouais non, mais même à côté de ça, enfin genre tu vois c'est bizarre. C'est. Ah par contre j'ai pas utilisé ce Pokémon là. Pas mal j'avoue, tu m'étonnes. Par contre on prend masse d'argent. 12 000 et quelques hein.
Ah les Pokémon ils sont pas efficaces. Je sais que je connais même pas le type de ce Pokémon là. Ouais, je suis vachement circonspect. Je connais pas le style de ce Pokémon. Oh. Elle est toute mignonne. Elle est chou, hein. Elle est toute mignonne. Ah c'est assez. Bon, c'est bizarre, on va rester dans la même salle. Ah, voilà. Voilà, merci DJ pour ton resub. Putain, mais en fait, je connais pas du tout le style. Je sais pas ce qu'il faut contre la queue. C'est un peu bizarre de rester dans la même salle. On est d'accord, voilà, ça fait morne. T'es d'accord? Ah ouais. Bon bah écoute, j'ai juste le mal, hein. On est d'accord que ça fait morne. Bah, j'ai une déception en moi. J'avoue que. Pas trop là. Bah, moi non plus. Pourquoi on reste dans la même. Mais moi je m'attendais à traverser les salles. Après, ah ouais. Oui, c'est logique, c'est une arène. C'est une arène. On a des. On a des tasseurs qui. Mais ouais, mais j'en ai marre de faire ça. Hein. On aurait pu avoir. Un environnement différent, tu vois, ouais, c'est mon type de Pokémon. J'avoue de que. Bah oui, moi aussi, j'avoue que j'ai une déception en moi, voilà, je le dis. Je sais pas si je suis le seul. Et on en a combien à battre? 4? C'est le conseil des 4. Ah, ah, je suppose, hein. Oui, enfin, 5 du coup, parce que c'est le conseil des 4, mais il y en a 5, parce qu'il y a le maître derrière. Ouais, voilà. Je crois que c'est ça. Elle est vraiment trop bien. Normalement, je le one shot. Il croche le one shot même. Voilà. Pas, ça dégage. Mignonne ou pas mignonne, ça dégage. Ouais, je suis. Par contre, c'est super parce que ça me fait prendre. Attends. Ça me fait prendre plein d'XP. Donc, c'est bien après, ouais, pour le dragon. Dernier recours, il va prendre. Merci DJ qui a offert deux subs, t'es adorable, merci beaucoup. Qui a offert un sub à Jinta et à Dark. C'est très gentil ça, merci beaucoup. Oh, je l'ai pas lu. Normalement. Magnézone. Oui, c'est l'évolution de Magneton. Pas de cachion, la zigouille. Ouais. Et bah on va les faire pister à eau, hein. Ouais. Quoi? Bah ouais, autant les trois routes, l'histoire, c'est super cool, et puis du coup la ligue l'a un peu déçu. Du coup, j'ai vraiment l'impression que l'accent a plutôt été mis sur la zone 0. Ouais, je pense aussi. Parce que là, la ligue, clairement, ça semble aller de fou, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, t'es d'accord, hein? Ouais, la ligue, ça m'a l'air d'être juste comme ça, genre même pas importante, tu vois. Ouais. À part que, bah en fait, là, ce qui m'intéresse de faire ça, c'est de pouvoir après faire le raid à coup de feu, tu vois. Ça m'a pas l'air d'être exceptionnel, quoi. Non, Azumarill. Merci pour le follow, Mariette. Me spoilez pas sur zone 0. J'ai pas encore vu. Pareil, la zone 0, c'est pour pas être spoil. J'ai tout fait. Flamboyant, apparemment. Il reste 10 minutes, l'angoisse. Bah, laisse tomber, on pourra pas terminer. Enfin, je pourrais pas terminer en 3 tours. C'est pas grave, toi, tu continues.
Ouais. Alors, de toute façon, moi, dès que je rentre ce soir, je vais la terminer la ligne. Il en regarde tous mes Pokémon. Je suis tellement pas concentré qu'il bute tous mes Pokémon. Sérieux? Ouais, j'ai plus rien. J'ai sorti mon coco là et... Bah ouais, non, mais je suis tellement en mode bon. Vraiment, je suis en mode bon. Genre vraiment, mec. Mais t'es à quel dresseur là? Bah au même que le tien. Ah ouais? Ouais, mais je suis en mode bourse. Moi, je crois qu'il a fait la terracristallisation là. Ouais. Moi je suis au magnéseau mais on a pas dans le même truc. Ouais, fait latéral là. Moi je l'ai one shot. On va s'en faire 12 500 de plus. Ouais, ça va être un cocktail de plus. Merci Lenny pour ton resub. Merci beaucoup. Bon, je vais pas te dire. Monsieur, c'est à vous. Attends, je t'ai dit. Ouais, je dis rien, rien. Bon bah de toute façon je vais quitter tous les Pokémon, à mon avis je vais perdre. Tu sais quoi, si je perds, bon, c'est même pas grave, parce que bon en vrai... Ok. Je suis triste. Non, fait, je swipe. Aïe. J'ai de la tristesse en moi. Sois pas négatif. Hop là, c'est fait. Allez, let's go. Salut John, salut. Souhaitez-vous affronter, oui. Bon, je vais terra-cristalliser, oui. Moi, mes Pokémon ils font pas, hein. Moi j'ai rien comme équipe, je me suis même pas préparé. Bah rien n'est efficace dans mon truc, hein. C'est quoi, je m'en fiche, vas-y, c'est parti. De toute façon, vu là où j'en suis. Ah ouais, non, bah j'espère que la zone 0 sera bien, parce que là ça me gâche mon aventure, tu vois, la ligue. Moi je vais l'éclater là. Ouais, mais tu vois, ça me gâche mon aventure, il n'y a pas de... Je sais pas. Ouais, Arcanin, ah c'est bah pas bien. C'est plus que c'était, hein. Oui, Arcanin, je vais le faire. Je crois que je vais le mettre. Pourquoi ils ont pas fait de rouditoire? Pourquoi ils sont pas fait de route victoire? Pourquoi? Enfin. Normalement, je one shot. Allez hop. Trop balèze dans la confusion. Alors, lui, on va le brûler aussi. Ah, c'est juste efficace, bon, c'est pas grave. Normalement, ça devrait faire le taf. Yes, one shot. Pour l'instant, je les one shot tous. Moi, sur ceux qu'on fait la ligue, est-ce que vous avez eu cette sensation ou pas? Qu'est-ce que... Oula, je risque de prendre cher. Ah bah non, c'est encore bon. Lui.
Bon. On sait quoi. On va envoyer lui. Tu sais quoi? Allez, oh. Je me suis acheté Aladdin hier sur Game Gear. Moi je dis Game Gear et je vous emmerde. Voilà, enfin, je le précise avant. Je me suis acheté Aladdin sur Game Gear hier. Mais non, c'est Game Gear. Bah ta gueule, je dis Game Gear, voilà. Ouais, ils sont chiants les gens. Ouais, chacun dit comme oui, oui. Tu disais quoi, Game Gear ou Game Gear toi? Ça m'est arrivé de dire les deux. Ah ouais, j'ai jamais entendu, mais Game Gear, je l'avais jamais entendu, mec. Moi, de là où on habitait, tout le monde disait Game Gear. Tout le monde disait Game Gear. Bref. Du coup. Après, c'est comme tout, hein. C'est comme le ou la Game Boy. Hein. C'est comme la manette de la. C'est comme la manette de la 64. Nous, apparemment, on la tenait. Apparemment, on la tenait mal. Cette manette-là, tout le monde la tenait de manière différente. Bah ouais. C'est vraiment. Comme chacun préférait, quoi. Bon, bah écoute, autre combat. Moi ça y est, je l'ai éclaté moi. Ah non, il en a encore un. Pour moi c'est Game Gear. Il a du niveau là. Pour moi c'est Game Gear. Ah il fait la Terra. Bon allez. Ok, c'est le flamant. Oh bah, pas mal le Draco Choc. Bon bah, on va rester avec lui. On va le faire. Bon. Bon, sûr, ça devrait le faire, non? Je sais pas. Ah, les Draco Choc. On a pas le temps. J'ai une frustration en moi de cette vidéo. Tu sais ce qui me dérange? Dis-moi. On n'a pas eu la route victoire! Non, moi ce qui me dérange le plus, là, c'est même pas la route victoire. Enfin, il y a ça, mais il y a aussi peut-être que. T'es en train de taper tous les dresseurs dans la même arène en fait, quoi. Oui, mais ça aussi, tu vois. Moi j'aurais aimé que chaque dresseur ait son environnement, tu vois. Bah, moi aussi. Attends. Oh! Elle est nulle la ligne. Et bah. Il me reste quoi? Il me reste 3 minutes. Ouais, je sais pas, je vais le tenter quand même. Mais non, la route victoire c'était vraiment un petit truc en plus, tu vois. Bah c'est parti hein, on tape le dernier. Je vais essayer de l'enchaîner. Assez spécial le costume effectivement. Non, non, mais moi je me laisse porter, j'ai adoré mon aventure jusque-là de Pokémon, j'ai adoré mon aventure jusque-là. Tu vois?
Allez hop, c'est parti. Ah bah nickel, s'il a des attaques qui me touchent pas, ça va aller vite. Et demain. Ne spoil pas, hein. Non, non, pas cool. Hello. La zone 0, c'est peut-être le truc dont j'ai le plus hâte. Je me suis fait spoiler un truc. Et ça va être fou. Moi, je me suis pas fait spoiler, mais je vais pas te. T'as bien de la chance. Top. Je viens d'enchaîner deux de ces Pokémon en raison. Il est 19h30. Faudra que je me filme. Alors, lui aussi, on va le one shot. On a pas le temps là, Dégage tout ça, hors de place. Voilà. Pour l'instant, je mets tout les one shot. Je vais prendre un peu, ça fait plaisir. C'est moche. Là, par contre, comme je l'ai jamais capturé, lui, je sais pas ce qui est efficace ou pas. Bah, one shot aussi, voilà, hop, ça dégage. Oh, 1000 XP. J'ai fait dessous des mondes à quoi là. Ah ouais. Moi je fais la même attaque sur tous ces Pokémon et ça passe. Apparemment j'ai mis la terre. Allez, Dracochoc. One shot aussi. J'ai one shot tous ces Pokémon. Délire. Ah, mais il me fait one shot aussi. Ah, mais oui, j'ai pas vu que t'interactes ça là. Bon. Ah, en plus, bah, il s'est blessé tout seul en plus. Ça m'a pris 30 minutes. J'ai éclaté les 4. Ah, mais toi, il y en a encore un. Ouais, mais est-ce que je peux sauvegarder avant et me barrer là? Parce que je vais arriver en retard, moi. Je pense que oui. Bouhouhouhou. Faut pas pleurer. N'importe quoi. Allez, chiale. Bon, vas-y, on y va. Ah, ok, y'a. Yeah. Ok, d'accord. C'est qui le dernier? Je te le dirai pas. Ah non, bah, il arrive là. Hein? Ah, il arrive. Ah, ça. Ah, t'y es? J'ai déjà vu lui. Ah, t'es sûr à ça? Oui, c'est un des profs. C'est le prof d'art plastique. Ah, c'est vrai! Il va encore nous lancer ses vieux dessins à la tronche. Ah, par contre, là, il parle trop là. Faut que j'y aille, moi. Bon. Ouais, on en avait parlé des doublages, ça serait génial. Qu'il y ait un doublage un jour sur les jeux Pokémon, ça serait génial. Mais ouais, on en a parlé, il y a quelqu'un qui l'a fait pour certaines séquences, je vous l'ai montré dans un des gaming news. C'était trop bien fait. J'adorais ça. C'est dommage qu'on l'ait pas parce que en vrai ça apporterait quelque chose de génial. On va dormir au top, j'ai fait les 4, j'ai sauvegardé. T'as sauvegardé avant? Ah. Ah, j'ai sauvegardé avant, donc je verrai qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. Bon bah attends, je fais le quatrième. Bah écoute, ouais, je vais terminer le conseil des 4 sans toi. Bah ouais, bah du coup, okay. Je regarderai pas. Comme ça, je me fais pas spoiler. Bon bah écoute, et puis bah t'façon, tu reviens ce soir, tout à l'heure? Ouais, je sais pas à quelle heure, mais... Tu me dis, et puis à ce moment-là, ce soir, je termine tout. Bah il faudrait qu'on termine tout ce soir et cette nuit, parce que je voudrais sortir le test dimanche matin. Yes. Donc il faudrait qu'on termine tout. Dans tous les cas, je te tiens au jus. Et voilà. Bah ouais, bonne app. Ouais,
Bah merci, merci hein. Bon app, je vais bon me péter app. Le bide. Bon allez. Vas-y, bon app mec. Ciao. Ciao, des vas-y bisous. À toutes. Ciao. Bisous. Ciao. Allez, bon. Et bah il nous reste lui et derrière le maître. Enfin la maîtresse du coup. Let's go. Mais ouais non, le doublage du jeu ça serait incroyable. Ça serait incroyable qu'on ait ça un jour. René. Ben ouais, on verra. Je sais pas, après ça demande tellement de. Ça demande tellement de temps et de budget ce genre de choses aussi. Tu vois. C'est vraiment. Enfin je vais te faire avoir avant. Ah non. Bah après tu vas me dire oui mais ils ont du budget, patati patata. C'est pas faux non plus. Mais c'est une surcouche qui est pas forcément nécessaire. Ça serait chouette, mais c'est pas forcément nécessaire, tu vois, c'est ça le truc. Et tant que ça sera pas nécessaire, je pense qu'ils s'en foutent. Ah mais non, tu n'es que deux fois. Faut faire plus que ça. Ah oui, j'ai de la chance que ça fasse quasiment aucun dégât ça. Ah mais on l'a lui. Ouais bah justement on va faire le post-game nous ce soir là. Bah, en fait on voudrait faire le post-game pour pouvoir avoir le Dracofeu là ce week-end surtout en fait. C'est surtout ça. Oh tu sais quoi on va le terra-cristalliser. Est-ce qu'on peut avoir les altérations d'état en étant terra-cristallisé? Ça je ne sais pas du tout. Est-ce qu'on est affecté quand même? C'est la grosse question. Oui. Parce que ça m'avait jamais affecté vraiment. Tu vois, regarde. Ça m'a pas affecté. Qui me bloque, ça m'a un peu dégoûté. Ah non, me spoil pas. Bon, je vais terminer avec ça. Ah ouais, ça y est, paralysé, ça y est. Ah, tu peux en faire au moins 4. Vas-y, encore un. Voilà, parfait, ça c'est fait. De toute façon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec Léo ce soir. J'ai une guérison ou pas? On va voir ce qu'on peut faire après. Il nous restera. Là, on va finir la ligue du coup. Il nous restera évidemment
la zone 0 et la championne des camps. On verra ce que ça donne. Parce que je voudrais qu'on soit prêt. Je crois que c'est à partir de demain qu'on a ça. J'ai hâte de voir le dernier, surtout dernier dresseur. Et c'est amusant qu'ils en mettent le Terra Crystal d'ailleurs entre chaque truc. Il est beau quand même, style dragon. Il est beau, y'a rien de... Ça va pas nous faire grand chose ça. J'ai hâte. J'ai surtout hâte de voir. J'ai hâte de voir le dernier, la reine. Pas la reine, la. Yes. Un joli farinel. Hello, c'est qui là? Bienvenue! Ah oui, il récupère quand même pas mal. Hein. Vas-y, on va terminer avec ça. Ah, punaise, je vais en avoir avant. Singe. Un petit point croix, tiens. Là. Tu l'avais déjà dit. J'ai même pas eu le temps de lui caser, s'il te plaît. Bon, normalement avec mon dragon en face. Qu'est-ce qu'il est beau aussi. Il est quand même beau comme ça. Allez, ça c'est fait. Ah, j'aurais peut-être pu le prendre, au pire je le mettrais en poste. Allez, le professeur d'art plastique, c'est fait. T'as 12 000 balles, hein, on récupère. Bien. Ça ne sert pas à grand-chose, mais vu tout l'argent qu'on a. Allez. C'est pas fini. Attendez. Comment a-t-on la chance de trouver des œufs en pique-nique avec les sandwichs? À quoi les sandwichs? À la fraise! Voilà. Pour ceux qu'on arrive.
si vous avez la ref, vous êtes géniaux, c'est tout. Alors. On va sauvegarder. On est à combien d'heures de jeu d'ailleurs? Bon, regarde. Alors. Si, je vais regarder vite fait. C'est ici. On est à 56 heures du coup. Bon. Ok, ça c'est stylé. Ça c'est vachement stylé. Heureusement qu'il pleut pas. Il n'y a plus de musique. D'accord. Ok. Ah, voilà, merci. Allez, c'est parti. Je sais même pas pourquoi ça m'étonne pas qu'il y ait ce Pokémon là. Là, la musique elle est stylée. Allez. Bon, tu sais quoi? Eh, vas-y, je dracristallise tout de suite. Allez, boum. Mais je sais qu'il y a la musique des Chiran dans pas longtemps. Je sais pas quand. Mais à mon avis, ils l'ont foutu quand tu gagnes la ligue. Et que t'as la présentation des Pokémon derrière. Évidemment. Histoire de bien démonétiser la vidéo. On la connaît, elle est incroyable sa musique d'ailleurs. Elle est incroyable. Ah ouais, d'accord, t'as vu l'attaque. Ouais, c'est comme ça toi. Allez, les musiques sont vraies, elles sont ouf. J'ai un colis qui arrive demain. Ok. Bon, c'est forcément le meilleur Pokémon, mais bon. C'est pas bien grave. Hein. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le test ultra complet du jeu, on va en avoir à dire. On va avoir beaucoup de choses à dire. Ça, c'est clair. On va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça, c'est plutôt cool. Dans le bon sens et dans le mauvais sens un petit peu aussi. Parce qu'il y a des bonnes choses et des mauvaises choses, évidemment. Même si ça plaira pas aux... Ah, putain de choses, bien. Ce qui me fait toujours beaucoup marrer,
c'est que la majeure partie des gens qui gueulent quand je dis qu'il y a des choses qui vont pas sur Pokémon, c'est des gamins qui étaient même pas nés quand je jouais déjà à Pokémon. C'est toujours très drôle. C'était toujours très. Tu te dis mais en fait, je sais d'où vient Pokémon. Je jouais au premier, t'étais pas né. T'es né en 2010. Arrête. C'est pas méchant, mais juste. T'es né dans les années 2000. Tu jouais pas à Pokémon qu'on est nous, on avait déjà battu la ligue. Donc excuse-nous de dire ce qui va et ce qui va pas sur la sur l'évolution aussi. Voilà. J'aime bien le fait qu'il y ait trois scénarios différents. Ça, c'est un truc qu'ils ont bien géré. Maintenant, j'ai l'impression que le côté ligue, il a été un petit peu laissé de côté là, sur ce qu'on en voit. Genre en mode, t'arrives, tout de suite, c'est la ligue. Boum. Tu vois. Il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de... C'est dommage. Ah, tu pourrais me dire, oui, mais deux chemins, c'est tout ce que t'as fait avant. Ben oui, mais à ce moment-là, dans les autres Pokémon aussi, c'est tout ce qu'on avait fait avant. Tu vois ce que je veux dire. Ah zut, ah oh, je vais me faire défoncer. Ah non, 72, non c'est bon. Normalement on est bon, il doit rester un tout petit peu. Voilà. Ouais, donc du coup ça c'est embêtant. Ça c'est un petit peu embêtant. C'est un petit poil embêtant et j'ai pas trop envie de la perdre tout de suite, même petit Arbolive. Faudrait que je les améliore de toute façon les Pokémon. J'y suis allé vraiment en mode. Je suis allé vraiment en mode What the Game genre à la ligue. Avec un Pokémon adapté et tous les autres pas du tout. Tu vas faire un petit Volby. Sympa Volby. Laisse-moi attaquer aussi. Il a une bonne vitesse hein, le Pokémon d'en face quand même. Il a une bonne vitesse d'exécution. Tu le sens tout de suite de toute façon. Avec plus de 72 ça serait bien. Ah putain je vais me faire bouffer. Ouais. Si je mets pas de potion c'est fini pour moi. Mais à moins qu'on ait un peu de chance. 79, non, c'est fini. Ouais, c'est fini. Chaos. C'était. Il fallait minimum 80 pour espérer survivre à son attaque. Allez, paf! Claque dans la tronche. Chez vous, moi. Hop là. Allez, passe-là. Moi que ça passe. Ouais, bien sûr que ça passe. Bam, claque dans la tronche. Qu'est-ce qu'elle va nous cristalliser à la fin? Joli celui-là. Ok, c'est ici là. C'est celui-là. Ah non. Ah si, ici. Oh, il va être stylé celui-là. Je le sens. Ah, pas tant que ça. Là, pour le coup, c'est dommage ce qu'il a sur la tronche. Parce que sans ça, juste en terra cristal, il serait incroyable. S'il te plaît, attaque le Dimog. Tu perds pas de vie, s'il te plaît. Ah, nickel. Boum. Bon, par contre, empoisonné. Oh. Allez hop, c'est dégage. Ah, petite colère qui fait toujours autant de bien. C'était pas son dernier, ça. Non.
Ah non, c'est le dernier. C'était son dernier. Bon, et bah écoutez. Nous voilà maîtres de la Ligue Pokémon. Ça y est, nous sommes maîtres. Nous allons envoyer un petit message à Léo en même temps. À moins qu'il y ait autre chose derrière, mais je pense pas. On va envoyer un message à Léo. Ça y est, mec. Je suis maître de la Ligue Pokémon. Maintenant, c'est à ton tour de nous battre. Voilà. Maître Edouard. C'était déjà le cas dans la vraie vie. Et oui, quand on a un master en droit, on se fait appeler maître, hein, déjà. Je sens la musique des Chiran qui arrive après. Ça sera coupé au montage, malheureusement, la musique des Chiran. Sinon, ça ne passera jamais sur la voix diff. C'est bien triste, mais bon. Il faut la battre elle maintenant. Voilà. Ben, bien sûr. Merci pour les GG. Bah, le premier. Bah, derrière la maison. Derrière la maison. Bah, évidemment. C'est mignon, ça. C'est très mignon. Ok. Bon, bah, je propose qu'on aille la battre avant de... Attends, c'est tout ? Ah, mais y a pas de... Mais y a pas quand avec les Pokéballs en disant bah vous avez battu la ligue avec tel Pokémon et la musique et tout. Mais. Putain, mais c'est la déception de A à Z cette ligue, bordel. Bon, on va aller battre l'autre. Peut-être après elle. Bon, allons voir. Messalédo, c'était où Messalédo? Bah, c'est pas dur celle-là. Bah oui, évidemment. Bout. Allez, go. Allez, on va la battre. Qu'est-ce qu'il nous dit, Léo? Yes. Bon, c'est vrai que c'était pas ultra compliqué non plus, c'est pas faux. Voyons voir. Ah là voilà. Ah, carrément une cinématique. Incroyable. Bon bah attendez, cinématique. Master versus Master. Là, le fait que ça soit doublé aurait apporté un vrai plus. Thank you.
Allez. Allez, elle d'acier. Ça c'est fait. Ah d'accord, très bien, bah allons-y. Dago. C'est fait. Non, je change pas. Non, je change pas, moi je reste là. En fait, j'ai mon Corvaeus qui est clairement adapté à toute son équipe. Donc on est bon, hein. Ah ouais, c'est toujours un peu mal, là. Ah non, même pas. Mon Corvaeus, il est vraiment fait pour la défoncer. Il est pratique pour ça. Ah, faire de terre. Bah, peut-être là moins. Ça fera toujours un peu de dégâts. Au pire, je le change pour. Oh, je vais le garder. Au pire, je le change pour mon. Pour mon Arcana. C'est clairement pas le bon plan. Oh, tu sais qu'on va le changer. Non, je changerai s'il meurt. Voilà, parce qu'on est comme ça, nous. Allez, jusqu'au bout. Il va finir pareil. 74, ça veut dire qu'il enlève 31, ça veut dire qu'il nous reste encore. S'il refait deux fois la même attaque, on est mort. Ah, ça. Et normalement là il nous met KO. Voilà. Bon là, est-ce que ça vaut le coup de sortir l'Arcanin? Sachant que je sais pas trop ce qu'elle a après. On va sortir le Trioxydre, tiens. Soyons fous. Je suis assez content de mon équipe. Le seul problème, c'est que je l'ai pas up du tout. Pour l'instant, en tout cas. On va bien être obligé, parce que si on veut se faire un vrai combat contre Léo, et qui sera le vrai maître de la ligue avec moi, bah on sera beaucoup plus à l'aise. Parce que là, bon, c'est sympathique, mais bon, voilà. Le combat contre Léo de fin sera le vrai combat. Le premier combat qu'on a fait, je l'ai battu. On était préparés. Entre guillemets, c'était notre premier combat dans le jeu, donc on était vraiment à peu près au même endroit. Là, le dernier combat, il va vraiment falloir qu'on donne tout ce qu'on a. C'est là que ça va être intéressant. Ses Pokémon, son équipe, entre mes Pokémon et mon équipe, après la ligue, en mode vraiment maître contre maître. Là, ça va être sympa. Alors, coup. Oh, c'est sorti. Flamigator, on va rester là-dessus.
Allez, c'est parti. Faire la cristallisation du sien. Est-ce qu'on va lui laisser le temps? Ah bah oui, du coup, bah oui, il est cette terrasse cristallisée. Ah la vache. Tiens, bah tiens, bah non, c'est pas la peine. Ouais, j'ai vu que Sacha et Pikachu, c'est terminé. On va passer sur une dresseuse maintenant. J'ai vu, c'est la fin de l'histoire pour Sacha et Pikachu. Il fallait bien que ça arrive un jour, ça faisait 20 ans, plus de 20 ans. Eh ben oui. Il fallait que ça arrive. Ah, ça fait quelque chose, bien sûr, évidemment. Allez, ça c'est fait. Fin. Nous avons battu la dresseuse, messieurs dames. Nous avons battu le maître de la ligue, plus le surmaître de la ligue, cinématique. Ouh, c'est stylé. Et voilà, mais voilà, c'est ça qu'on veut voir. Bon. Ah bah tiens, je suis d'accord, très bien. Et voilà, la voix du maître terminée. C'est tout? Mais... c'est tout? Putain, c'est vraiment tout? C'est juste ça la voix? Mais... mais bordel! Ah, dis-moi qu'il y a autre chose, hein, par pitié! Ah, quand même! Ah non, c'est la mission avec avec la chef de clan. Oh là là, dis donc, c'est Clavel, mais dis donc, personne ne s'en doutait. Incroyable. N'importe quoi. Quoi? Mais c'est pas logique! Mais ça n'a rien de logique dans le scénario! Mais ça n'a rien de logique si c'est vraiment lui!
Alors là par contre c'est tout pété. Ah, double déception. Parce que, alors attends. On va terminer, mais si en plus de 1 on m'enregistre pas mes Pokémon, y a pas de séquence un peu funky, et qu'en plus de ça c'est lui Cassiopée, alors que c'est dans le scénario de Cassiopée ça n'a aucun sens. Ah, me dis pas qu'on va se prendre deux déceptions coup sur coup là quand même. On verra, mais me dites pas ça. Hein. Ah non. Ah, je refuse. Bon, par contre, du coup, on a avancé ce côté quête alors que il fallait qu'on attende Léo. Bah, ça, j'ai pas fait exprès, du coup, parce que je voulais juste sortir et aller enregistrer devant. Il nous restera la zone 0. Shot. Ok. Ah, d'accord. Merde, je les ai pas très efficaces. Oui, de toute façon. Il est au même niveau que la ligue, non? La ligue était au niveau 60. Ah, 65, 66 la ligue. J'ai même pas... Vous savez que je n'ai pas regardé du tout le niveau des Pokémon de la ligue, du coup? On les a battus sans regarder le niveau. C'est vrai que j'ai bien pensé ça. J'ai pas pensé. Ça devait être 63, 64, je crois. On n'a pas trop eu le temps de les voir non plus. Je crois que c'est ça. Ouais, les gens passent à côté du combat, ils en ont rien à péter. Ils savent qui va gagner, qui va perdre. Oh, c'est encore Clovel. Oh, il emmerde tout le monde. C'est bon, laissez-le. Ah, mais c'est le... Oh la vache, comment il rame. Regarde ça. En plus, c'est le même qui repasse, tu sais. Oh. Il a disparu, quoi. Allez, vas-y. Vas-y, Terra cristallise-le, là. Quoi, je vais quand même lui donner la petite potion max juste pour le kiff. Parce que sinon il va se faire dessouder la tronche à l'état. Allez, vas-y. Mais pas suffisamment. Ah si, je m'en doutais. Punaise. J'ai failli dire en espérant qu'il n'y ait pas ça. Évidemment. Tout ça pour faire durer le combat 3 secondes de plus, hein. Rappelons-le. Voilà, merci, salut. Goodbye my lover, goodbye my friend. Oh, cette drama queen, incroyable.
Allez hop. Donc, tu n'es pas Cassiopée. Je suis pas d'accord, niveau scénario, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voilà, merci. Merci. Je veux dire, si t'as suivi un tant soit peu l'histoire, ça ne pouvait pas être Cassiopée. C'était logique, en fait. Donc merci, merci de revenir dans les clous. Merci. Voilà. C'était pas, ça ne pouvait pas l'être. Mais il suffit d'avoir suivi l'histoire 3 secondes. Vous pouvez compter sur moi. Bien sûr. Évidemment. Évidemment que tu peux compter sur moi. Ah bah d'accord. Bon, là, du coup, je peux attendre Léo, c'est cool. Je peux attendre Léo pour battre Cassiopée, toujours. Donc ça, c'est cool. Retournons là-bas. On verra Cassiopée avec Léo tout à l'heure. On verra. Ah, je peux faire ça, c'est vrai. Tidalitatou, titalat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